ça arrive des fois que on regarde un paysage puis on se dit, bof, il n'y a rien de spécial. Jusqu'à temps qu'on a le recul pour vraiment apprécier le paysage. Bienvenue aujourd'hui à All in the World. C'est-tu assez débile? Hey! Bon matin, tout le monde! Ce matin, je suis à Port-Alberni. Un jour de semaine, il annonce du très beau temps, et c'est voulu. Parce que où je vous amène un matin, c'est pas facile de se parquer. La fin de semaine, même en hiver, c'est compliqué. Mais on va voir quelque chose de magnifique un matin. Tant qu'à être à côté du Walmart, j'ai arrêté faire un tour et j'ai acheté petits croissants au beurre pour 2,10. C'est le mois de la pauvreté avec un peu de fromage en crème. Parfait pour déjeuner. Ah, rien de tel que se faire un bon café à la fin d'un dédème. Vous voyez la confiserie qui est là. Puis le parking ici, là. C'est tout ce qu'il y a de parking pour la trail qui est là. Donc, c'est pour ça qu'il faut venir la semaine choisir vraiment son temps. Comme je vous disais, c'est juste là, le magasin de bonbons. C'est sur le long de la route qui va à Tofino. On met les gants parce que c'est cru un matin. Nous voilà partis. Ah! Ici, il donne la trail. On va la lire. On est parti. All in the wall. Si je me suis pas trompé de chemin, il y a une log road ici que je prends. Ce qui me surprend un peu. Mais c'est mal balisé. Donc, mais selon moi, c'est par là. Si je me fie à mon Google Maps, je continue par là. Tellement le fun ici. On descend dans le ruisseau. La trail suit le ruisseau. Puis des bouts, t'es au-dessus. Des bouts, t'es dans le ruisseau. Puis là, t'as une petite rivière ici. Oh! Ha ha! Ouais. Hey, c'est-tu assez spécial? Ben, voyons donc. Hey. Y avez-vous pensé? J'en reviens beau. Incroyable. Avec une belle rivière de même. C'est à ne pas manquer. Faut que vous passiez ici. C'est tellement près
à Port-Alberni sur la route d'Atofino. Tellement ça. Wow. C'est dommage que la trail soit pas mieux organisée. Puis je comprends pas ce bloc de béton-là. Je peux pas croire qu'ils ont vraiment coulé ça juste pour mettre deux troncs d'arbres pour que le monde fasse un genre de selfie. Ça devait avoir une utilité dans le temps. J'étais à une centaine de mètres. Oups! Puis on se douterait pas qu'il y a un trou dans le mur juste à côté. Hey, ça mériterait à être développé, ce coin-là. Ouh! Oh, regardez! Ça, j'admire ça. Les roches montées comme ça, là. Hey, celle-là, c'est de l'équilibre en bâtisse. Oh! Puis le trou est juste là. N'en reviens pas, je t'avais d'en tomber à terre. Tu capes sur le bout ici. Manquez pas ça. Des fois, tu regardes ça et tu dis comment c'est possible que ça a pu se faire. Un trou en forme d'œuf de même, en plein milieu, avec juste un petit ruisseau. C'est bien beau ça, mais il faut prendre le chemin du retour. Il faut retourner à l'auto. On se met en marche. Let's go. C'est pas une trail dure. Ça monte un peu ici. On a une vue sur la rivière. Là, je suis sur le bord de la Log Road, là, la curve ici. Là. Il faut rentrer dans le sentier parce que j'arrive de là. Puis si vous manquez le sentier, vous allez en marcher un tabarcelac de coups. Puis c'est pas très affiché. Ça. La seule place c'est affiché, c'est pour s'en venir. Qu'on le voit ici au loin. Autrement, vous le verrez pas. Donc, on reprend la route pour se rendre à l'auto. Ça prend environ trois quarts d'heure aller-retour avec le temps que tu passes là-bas, une heure peut-être. C'est une belle trail. C'est vraiment une belle trail. J'arrive au bout de ma trail. Ma vanne est juste ici en haut. Et aujourd'hui, on a fait Hole in the Wow. Là-dessus, on se revoit demain pour une autre vidéo. Ciao, bye. Ciao, bye.